Salut à tous. Là, je vous avais laissé après la récupération du quart de cœur. Alors, je vous préviens que ça fait 3 mois que j'ai pas enregistré là. Donc, toutes les vidéos que vous avez vues avant, je les avais enregistrées à peu près au même moment, vers septembre. Ouais, comme là, on est fin décembre. Voilà. Et puis, j'étais un peu obligé parce que qu'est-ce que je fous? J'étais un peu obligé ouais, d'enregistrer parce que là, au moment où je fais la vidéo, c'est où déjà? Je crois que c'est là. Ouais, au moment où je fais la vidéo, il reste plus que 2 vidéos en réserve, voilà. J'ai décidé que. Ah. Ouais, on va prendre les graines. Machin. Ah bah elle a l'aspirateur maintenant. Et voilà, j'ai niqué le frais de plus. Donc on va se rendre... On va se rendre... vers le 8e. Donc ça c'est la route la plus courte depuis le 7e. Hein. Enfin, avec l'épée niveau 2 et l'anneau rouge, quoi, ça je défonce tout. Voilà, donc là je vous rappelle, il y a Onox à gauche. Bon, il faut d'abord faire les 8 donjons de toute façon. Donc si on saute là, voilà, on se retrouve là. Ah, tiens, ça m'était jamais arrivé qu'il soit bouclé derrière le panneau. Comme ça. Donc je vous montre la carte un peu. Voilà, on pouvait aussi venir depuis le Grand Goron là. Tiens, d'ailleurs, je me rappelle pas ce qu'il y a. Si c'est une fissure pour une bombe ou pas, ça, je crois pas. Hein. Non, ça n'en est pas une. Attends, je sais plus jouer déjà. Voilà. Moi, je vous montre à peu près où c'est, voilà. Donc, ça vous rappelle sûrement quelque chose. Là, on pouvait passer avec mouche, je crois. Voilà. Et là, si on va là, on se retrouve. Les gorons, voilà. Bon, c'était plus rapide comme j'ai fait. Bon, ça sert à rien de vous montrer ça, hein, c'était juste pour le fun. Ah, mais en fait, j'étais jamais passé par là dans cette partie. Voilà, je crois qu'il y a un truc à Grain Gacha. Ouais, voilà, il y a un truc à Grain Gacha ici. Voilà, bon, j'en ai pas, ok. Bon, voilà, comme ça, vous le saurez. Je vais retourner au 8e donjon. Enfin, à la route pour aller au 8e donjon. Note qui se balance tout seul dans le trou. Voilà. Donc on est en hiver, donc c'est bon. On continue la route. Et là, il va avoir bientôt un truc qui m'a bloqué depuis. J'ai essayé pendant 3 jours, hein, je vous jure. Pourtant sur Game Boy Color, j'y arrive au bout de 4-5 tentatives, mais là, l'enfer, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il y a 7 trous, il faut les passer avec la cape et le comment. Voilà. Et les grains de Pégase. Mais bon. J'ai eu vraiment du mal à réussir, donc j'ai fait une sauvegarde rapide juste après. En fait, le truc, c'est qu'il faut surtout pas toucher les bords... les petits cailloux, là. Les petites pierres qui est au milieu, faut pas les toucher. Donc je sais pas pourquoi, il y a des jours où j'arrive même pas à atteindre, j'arrive même pas à atteindre le dernier trou. Puis il y a des jours où j'y arrive super facilement. Voilà. J'ai failli réussir. Enfin ça c'est chaud. Donc j'ai fait une sauvegarde juste après. Voilà. Bon, une sauvegarde juste après où j'avais presque plus de vie. J'y ai pas pensé, bon tant pis. Maintenant il me faut de la vie à tout prix là. Oula, ça a mal allé. Hein. Putain. Ouais, bon tant pis. Pas besoin de vie. Si je fais pas le con, c'est bon. Donc là voilà, il fallait se mettre en hiver pour passer. Ouais, donc je disais, j'ai mis 3 jours. J'ai essayé pendant 2 jours. Je m'énervais tellement, j'arrivais même plus à sauter. Enfin, n'importe quoi. Donc là vous reconnaissez peut-être un peu l'endroit.
Il a. Alors lui, j'ai envie de le tuer. Lui. Regardez ce qu'il balance, franchement. En fait, il balance aléatoirement tous les objets du jeu. On peut pas le récupérer, on peut essayer. Voilà un gant bleu. Hein. Vous allez voir tout ce qu'il balance. Il balance des cartes de cœur, de fou, hein. Tous les objets, quoi. Voilà. Minerai, toi. Bon, c'est hyper aléatoire après. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez voir. Alors, il dit ça. Faut balancer une bombe dedans. Voilà. Ça va faire rentrer le volcan en éruption. Enfin, les volcans. Et du coup, ça va même cramer l'autre monde. Alors, me demandez pas comment le feu passe d'un monde à l'autre, j'en sais rien du tout. Et voilà, et donc. Ça va libérer la route. Oui, parce qu'avant qu'il y ait ça, en fait, c'était tout bloqué par des arbres, on pouvait pas passer. Donc voilà, en fait, il voulait tout faire. Il voulait juste un petit feu d'artifice. Donc, on va continuer avec la cape. Ce qui est con, c'est que j'ai presque plus de vie. Et... faut surtout que je tombe pas du tout, quoi. Ça va être chaud. Oh, oh là, je suis le gros boulet de base, quoi. Je sais même pas comment je... Putain, quel beat. Heureusement, j'étais déjà rentré dans un bâtiment, donc c'est bon. Parce que quand on meurt, en fait, si on est dehors, on retombe dans le dernier bâtiment où, où on était. Ouh là, là, il faut faire le tour. Bon, c'est facile, en fait. Et tiens, au sujet des cartes de cœur, l'autre fois, je discutais avec Kerlex sur, sur MSN. Et je lui dis un truc que ouais, je vous avais pas encore dit, c'est que à la fin, même quand on a tous les cœurs, vous allez voir dans l'écran des cartes de cœur, on a deux cartes de cœur sur quatre, mais on peut pas en avoir plus de deux en fait. Alors me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et à la fin, il nous reste deux cartes de cœur. Donc en fait, il y a deux cartes de cœur qui servent à rien. Quoi, donc là, on va continuer. Hop. Merde, faut foutre les télés, quel con. Et voilà. Et je trouve pas d'inspiration pour parler. C'est ultra simple à manipuler la cape quand même. Enfin, sauf quand on doit sauter cette trou comme des cons. Voilà. En général, quand on a un trou comme ça. Et qu'on voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est qu'on peut utiliser le gant. Hein. Ça c'est fun parce qu'on utilise encore le gant après avoir passé le donjon quoi. Voilà, je crois qu'il y en a un qui va me faire chier. Bon, j'ai réussi à passer. Voilà. Hop. Vous allez voir, c'est très rapide pour arriver au 8ème donjon. Ouais. Je vois pas trop là. Ouais. Bon, c'était tout con en fait. En fait, lui, il met 4 blocs pour nous compliquer le truc alors qu'en fait il y en a que 2 à pousser quoi. Voilà. Attends, je suis tellement pressé de faire Idris là, je crois que je vais le. Je vais le rusher quoi, le donjon. Bon, je sais, je préfère Aegis, mais j'ai surtout jamais dit que Season c'était nul. Hein. Il est quasiment aussi bon. Bon, il y a quelques différences quoi. Alors, pourquoi il y a ça? C'est quoi ce bordel? Alors, en fait, c'est juste pour nous emmerder quoi. Ouais. Ok, génial. Voilà, c'est ça le qui tombe, on peut aussi avoir un anneau pour pas qu'il tombe. Bon, de toute façon, il y a des anneaux pour tout. Voilà.
Alors là, je sais plus s'il faut tomber ou pas. Si on récupère un truc en tombant. Enfin, je le ferai à la sortie du donjon. Comme ça, on est sûr. On est sûr de pas se gourer. Et là, vous allez voir. Hop. Merde. Voilà, hop. Huitième donjon. Vous voyez, du septième au huitième, hein. C'est pas très long. J'ai mis un peu de temps pour venir, mais... Alors là, je suis paumé parce que je sais plus du tout à quoi il ressemble ce donjon. Ah oui, c'est avec le super lance-graine, ok. Super lance-pierre, pardon. Et en fait, il y a le lance-graine qui est, voilà, dans... qui est dans... Edges, qui peut tirer en diagonale, etc. Et le lance-pierre, donc c'est pas exactement pareil. Hein. Voilà, le lance-pierre, c'est dans Seasons. Après, il y a le super lance-pierre qui lance 3 graines. Donc ça, ses yeux, faut les éclairer, on va dire. Alors, balançant une flamme. Voilà. Donc là, on peut pas parce qu'il faut éclairer tous les yeux en même temps. Faut avoir le super lance-graine, quoi. On glisse sur la glace aussi. Moi je m'en fous, la glace c'est... Ça ne me dérange pas. Alors vous avez remarqué. Enfin je dis ça mais je vais moins faire le malin vers la fin du donjon, vous allez voir. Putain. Heureusement que j'ai dit que ça ne me dérangeait pas. Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire avec le truc là-haut mais... Sûrement tuer le gros truc là. Ça, je connais pas le nom de ces trucs, c'est marrant. Une espèce de carapace, une moustache. Voilà, on se met là, hop. Et là. Ah, ok. Ah, ça, ils nous préviennent pas hein. Quand il y a des clés, c'est. C'est des trucs de salopards ça. Donc ouais, Danix m'a dit que c'était les pôles nord et sud de l'aimant en fait, S et N. Sauf que je sais pas à quoi ça correspond donc. Enfin je sais pas si S ça repousse ou ça attire ou etc. quoi. Donc ça normalement, ils ont mis ça pour être dangereux mais en fait ça nous aide plus qu'autre chose. Voilà. Ah ouais, tiens, je me rappelle de ça par contre. Je me rappelle même que il faut. Si on se gourre au boss, faut revenir par là. Bon, de toute façon, aucune chance que je me fasse battre par le boss. Parce qu'il y a une tactique pour le battre très facilement, en plus maintenant avec l'anneau rouge. Ah si, en fait, je me rappelle pas mal de donjons. Je l'ai refait il y a quoi le jeu, je l'ai fait il y a. Au début de l'année. Hein. Bah, juste avant de faire le Oxo, justement. Ouais, ces saloperies de main, on va pas chercher à les buter. Oula. Ça, je crois que t'es presque obligé de te faire toucher là-dedans. Ah putain de merde. Ouf. Ça rappelle Mario aussi, les petites flammes. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes d'ailleurs. Voilà. Putain, quelle pile. La cape, j'utilise tout le temps hein, maintenant que je l'ai. Alors, ça, c'est les chauves-souris enflammées. Je sais pas, non, je crois qu'on n'avait pas encore vu. Donc, elles peuvent nous foncer dessus, voilà, en enlevant leur flamme. Après, ça devient des simples chauves-souris. Sauf qu'on peut pas les tuer comme ça, faut sauter pour les buter en fait. Qui est très cher. Voilà, un peu comme pour achever vivre en fait. Ça nous enlève deux cœurs si on se prend la flamme. Hein. Enfin, sauf si on a l'anneau bleu, bien sûr.
Je crois qu'il fallait toutes les tuer en fait, faut juste. Donc c'est des. Ouais, des trucs assez chiants. Justement, oui, les trucs là, on peut les attirer avec le gant, je sais pas si je vous l'avais dit non plus. Ah, je crois qu'il y a un tourniquet à droite là. Ouais, putain, je me rappelle de donjon en fait. De mémoire. Et en fait, pour se rappeler autre chose que de mémoire, quoi. Bon. Et ça, j'aurais peut-être dû sauter. Ouais. Alors là, si vous avez un anneau, je sais plus comment ça s'appelle, après-ski, voilà, anneau après-ski, c'est très utile. Qui empêche de glisser sur la glace, hein, vous avez compris. Mais merde! C'est bon, là. Alors. Voilà, on va y passer pas mal de temps sur ce truc. Donc. Je sais pas si je vais passer directement par là ou. Non, je passe par en bas. Attends, je vais regarder la carte. Ok. Non, je sais pas. Ouais, je vais plutôt aller vers la droite de là. Bon, de toute façon, on va bientôt se quitter. Donc, c'était une vidéo. Bon, assez rapide, mais. Comment dire, voilà, j'avais pas grand chose à dire quoi. Et je fais la suivante juste après, donc je sais pas si j'aurai beaucoup plus d'inspiration. Hein. Ah, ah bah justement, ce qui te demande mini boss, c'est tant mieux. Ah bah non, j'ai pas la clé. Bon, bah demi-tour. Bon bah voilà, on va se quitter là. Donc je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, puisque j'en mets une par jour. Enfin, je sais pas si ça a duré longtemps hein, ce truc. Et donc, salut!